aventure en vélo pliant continue à travers le nord des Pays-Bas, 10 jours à pédaler d'Amsterdam jusqu'à la frontière allemande. Donc les amis, on vient de passer le village de Medemblik. Sur la map, vous pouvez voir. Il y avait le joli moulin, là, c'était trop beau. Et là en fait, oh là là, les éoliennes. My God. Waouh. Les amis, j'ai fait une petite pause ici parce que j'ai vu qu'il y avait comme des escaliers. On va aller voir qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté. On est en mode vlog quoi. Allez! Oh non, c'est trop beau! J'ai pas de mots, sérieux, j'ai envie de rester là, j'ai envie d'avoir une mini maison là, là, ici là, là là, hop là, hop la vue là, ça serait pas mal hein, oh j'adore, putain que c'est beau, mais que c'est beau, bon, on va prendre photo évidemment hein. J'ai encore rencontré des gens à Brompton, Hank et Annette. Trop cool. Hein. Bon, il me reste 7 km avant d'arriver au camping. Ça a l'air d'être un beau camping sympathique. Moi, je m'arrête que dans des beaux campings sympathiques. Ils étaient trop sympas. Elle avait un Brompton électrique et lui un Brompton de 12 ans. Trop drôle. Regardez-moi ça, on n'est pas bien là. Oh là 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 là. Moi je resterai là. Hein. Moi je reste là, je crois. Peu de crème solaire. Putain, on est à la mer quoi. Trop cool, j'adore. Thank you.
j'ai acheté. Des trucs pour le matin, du fromage évidemment, pour faire comme des ramen, j'ai pas d'œufs mais c'est pas grave. Et des craquelins, j'aime bien parce que quand j'ai pas de pain, j'utilise des craquelins. Mais bon, j'avoue que tout est emballé quoi. On n'est pas bien là. On n'est pas bien. En fait, ce que je fais, c'est que je les vide. Je les mets dans des ziplocs. Je sais pas si ça va rentrer. Hein. Bon, je vais mettre des pâtes partout. C'est le bordel. Alors ça, un thé, c'est vraiment réconfortant. Mais pas la lettre T. Elle est de haut niveau, celle-là. Level plus plus. J'en ai trop fait, je crois. J'ai plus faim, déjà. Putain. Quand je vous dis qu'un Brompton, c'est pratique. La vaisselle et la poubelle. Et voilà. Et on y va. Il y a tout ce qu'il faut chez Casto. J'ai oublié mon éponge, mais quelle bouille. Regardez les amis, je vais pouvoir retoucher mes photos au camping parce que là il y a comme une borne et c'est comme écrit vélo et il y a des prises et c'est juste à côté de la tente. C'est pas trop bien sérieux? J'adore. Je peux travailler en direct de mon matelas. Regardez Archie. Comme il est sage, il se repose le petit. Trop mignon. Il passe pile poil dans le truc de la tente, c'est trop bien. That's it, that's all. On est un peu bas. On est un peu bas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? La bouffe. Ah, oh, on pourrait mettre la bouffe. Mettre la bouffe, tiens, voilà, ça va être mieux. Hop là, allez, putain, on n'est pas trop bien là, sérieux. Wow, trop cool. Chaud, on a chaud, chaud, chaud. Allô, mais cette fille est complètement tarée. Je viens de retrouver une barre Ovomaltine au chocolat au fond de mon sac. Je suis trop heureuse. Tu sais, les petites joies de la route. Parce que des fois, quand il te reste que des barres que t'aimes pas, c'est chiant. J'adore.
on n'a pas le style là. Une petite averse. Bon bah j'ai sorti le poncho trop stylé de Clever Wood. Je suis trop contente. Oh là là, on s'accroche. Et en fait c'est un poncho qui s'accroche au guidon. Et il est aussi accroché à ma taille. Je vous montre. J'ai une ceinture ici. Ça passe dans le poncho. Du coup ça fait que... ça évite que ça se lève avec le vent derrière. Et donc du coup ça fait que du coup tu peux... oh. Tu peux vraiment pédaler avec les mains cachées quoi. C'est trop cool, j'adore. Ça me plaît moi. Mais regardez les amis, tous les vélos à Groningen. C'est genre le parking vélo quoi. C'est fou, c'est incroyable. C'est fou. J'en reviens pas. Hello. Hi. How are you? Good. Yeah. You? Nice to meet you. Nice to meet you. Hi. I'm Steph. Aurélie. Wow, such a nice city. Yeah, you already saw yeah. Some parts of the yeah, city. Yeah. Beautiful, beautiful. Thank you so much. Yeah. Yeah. I built it all on my own. No. I just finished to build right now. Yeah. No, it's cool, like the little street and the flower and the... Yeah, it's beautiful. Good that you have a nice impression. Friends told me that Groningen has designed special for biking. Yeah, it was like some years ago, like the main bicycle city of the world. So every year is like Copenhagen was like last year or something. Okay. So, but Groningen was also like some years ago. Wow. Yeah. Crazy. Steph, qui m'accueille, habite dans un ancien hôpital reconverti en coopérative d'habitation où vivent 250 personnes. À l'intérieur, il y a un bar, un cinéma, une cuisine partagée et un jardin communautaire. Nice to meet you, yes. Aurélie. Lorraine. Lorraine? Yes. Okay, beautiful. Thank you. Aurélie, so nice. Bon matin les amis, on est toujours à Groningen
Et là, on repart tranquillos, on reprend la route, peinard. Mais avant, il faut coiffer ses cheveux. Donc, je ne suis pas partie avant 10h du matin. Les amis, j'ai pas trop filmé aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée. Comme j'aimerais, je pense, m'endormir sur le vélo comme ça, dormir. Pédaler et dormir en même temps. Ce serait trop bien. T'actives le petit pilote automatique. That's it, that's all. Et puis aujourd'hui on est beaucoup dans les champs, alors c'est un peu toujours pareil. Donc voilà. Mais on arrive dans 12 km aujourd'hui en pédalé entre Groningen et une petite cabane en bois dans un camping que j'ai loué juste avant la frontière allemande. Parce que je voulais vraiment essayer ça avant de quitter les Pays-Bas. Ça va faire du bien de se reposer un peu. Depuis que je suis atterrie à Amsterdam, tout s'est tellement enchaîné. Mais c'est génial, hein. Je saute sur toutes les occasions pour profiter avec les gens et tout. C'est juste que je me rends compte que mon rythme est vraiment lent. Et j'ai pas eu le temps d'intégrer tout ce que j'ai vécu, je pense, depuis une semaine. Donc, de prendre le temps d'être seule, d'écrire, ça va faire du bien. Là, hier, je suis allée faire les courses à Groningen, donc ça veut dire que j'ai de la bouffe, j'ai acheté du fromage, j'ai acheté du pain, j'ai acheté du céleri, parce que je trouve que le céleri, ça se coupe facilement, ça se met bien dans le sac et ça se mange comme ça en crudité. Alors voilà. J'avoue, j'ai acheté des cochonneries aussi. J'ai acheté des Kinder Maxi. Parce que j'adore ça, les Kinder Maxi. C'est fou, les Kinder Maxi, c'est genre 2 euros. Et le gros paquet de Kinder Bueno, c'est genre 3 euros. Avec plein de Kinder Bueno. Alors qu'au Canada, un Kinder Bueno, ça coûte 1,50 $. Ah, je sais, c'est plein d'emballages, c'est dégueulasse. Je sais. Petit chalet, ça va être trop cool. Et dans la cabane, ben, ça fait ça. Là, il y a un frigo. Trop bien. Qu'on peut brancher. Il y a l'électricité. Il y a le petit gaz. Et il y a 4 lits. Bon, c'est rustique, hein. Mais franchement, c'est cool. La petite table. 4 petites chaises. Et voilà. Et il y a le wifi aussi. Trop bien. Oh, j'adore la paix. La paix. Un peu de pâté végétal. Un peu de miel. On s'en fout, hein. Ça marche pareil. Et un peu de fromage. Un peu de fromage qui a chaud. Et un peu de céleri. Ah, aujourd'hui j'étais fatiguée. Et en fait, dans plein de campings aux Pays-Bas, il y a ces petites cabanes là. Peut-être pas dans tous les campings. Ça s'appelle Trekker Shirt. Et là, c'est 39 $ plus. Il y a des taxes. Ça te revient dans les 40 quelques la nuit. C'est vraiment abordable. Franchement, c'est génial. Thank you.
Après une bonne nuit de repos, je décide d'aller visiter un village médiéval juste à côté du camping. On ne peut y accéder qu'à pied et l'entrée est de 3 euros. Les gens, ils sont relax, ils se baladent. Et pour 3 dollars, tu visites le petit village médiéval à Bourtange. Et c'est cool, il y a une place du village, il y a un café, il y a plein de stands différents. Il y a des produits locaux. J'ai vu qu'il y avait des saucissons, du pain. Et moi, je fais vraiment touriste. Avec la caméra, le micro, la GoPro. Ouais. Donc j'espère que cette petite balade vous plaît. Et si vous passez par là, ben arrêtez-vous parce que ça vaut la peine. Bien les amis, voilà, c'était le petit tour du village. Maintenant on va aller manger un bout, puis ça va être repos cet après-midi. Tranquille. On dirait que quand je suis dans un pays étranger, j'ai moins honte de parler devant la caméra. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Peut-être c'est parce que personne ne me comprend. Sauf s'il y a des Français. Ils étaient en train de mettre leur vélo sur le porte. Vélo de leur voiture. Mais si t'as un Brompton, bah tu fais pas ça. Ça te facilite la vie. T'as pas besoin de démonter ton vélo ou de mettre une ou d'acheter une remorque qui coûte cher pour mettre à l'arrière de ta voiture. Non, t'as juste à plier ton vélo et le foutre dans le coffre. Et voilà, et ça t'a pris 2 minutes. Moi je dis ça, je dis rien. Traverser des Pays-Bas se finira par une belle rencontre. Je me rends visiter et prendre le café chez Radical Design, une petite compagnie néerlandaise où j'ai acheté ma remorque pour mon vélo Brompton avec laquelle j'ai voyagé dans ma première aventure au Québec. Au début de l'interview, Kira m'explique que cet endroit était en fait un ancien moulin. And then I think in the 60s they took down the mill, the previous owner of the building, and they got an electric system. But then he didn't have successors for his company. Okay. And so he sold the building to Hubert van Ham. He is the founder of Radical Design. And he redid the whole building and started the workshop here. Before that, he was working in Rotterdam on his own little room where he started making the backpacks.
by hand, by its own. I will show you some inside. So, And after, in the past, it's just for backpack, not for Brompton or anything? No, backpack was the start. I will show you inside. In the 90s, Hubert was working for Bever. Bever is a very famous Dutch outdoor shop. Yeah. And he was maintaining backpacks, which were broken or something. And he started traveling and he decided, backpacks are really crap. I want to make a backpack which is durable. Mm. So he made this. This is one of the first. I found it on a second-hand shop. Somebody was giving it for free. And this one he made himself in Rotterdam, the time there. So he cut by hand all the pieces of fabric and mended it together. At the moment, what happens here is that we still design, because that's where his radical design is coming from. Hubert was a designer and a producer. So we design for our own brand, which is all hanging there. Mostly it's the recumbent bike bags, so we are able to offer for a full range of recumbents, because there are so different ones, and we produce also for other companies and design. My French colleague, I will introduce you, he designed the chairs, so we make also the chairs, so they are designed here and produced in Vietnam with our partner there. The sewing machines, it's Mohammed. Hello Mohammed. And Henny. Hello. Henny is working already 20 years for the company, and there is also Esther, but today she is on a leave. And we have two designers, one's upstairs, one is on leave today. And we have Peter, he is also sometimes behind the machine, but he's also preparing before the production. So how many people in totally? Eight, with me and my husband. Yeah, yeah. So it's really small. Yeah. We ship to Canada, we ship to Australia, we ship to, I have people who bought in Peru. It's crazy. So, and yeah, and it's very nice, because before we came here, because before my husband and me, we took over the company in 2020, just in the start of Corona in Holland, we were living abroad and we were traveling a lot. And now we are here and our life is very on a small space. But we still somehow travel, because our products go everywhere, and you get the pictures and the stories of people who are very, mostly, I think 99% of the people are very happy. And if they are not happy, we try to help them. But of course, we cannot help everybody. Yeah. We can design, but we also can make prototypes. So mostly you have a lot of, in the Netherlands, design bureaus, and they can design, but they cannot produce it. So they have to find a place where to produce it. But like Romain, you will meet upstairs. He is a designer, but he can also produce it himself. So he really knows what's important for the design to make it also easy to produce it. So then when the production is in a small amount, we produce it here. So like our own recumbent bags, they go in 12 or 24, sometimes 48. Items, but when it's a lot, like the Chubby and the Cyclone Trekking and our walking trailers, they are made in Vietnam, because we cannot do it here anymore. This will be produced here. It's the Banana Racer. It's one of the ones there upstairs, the red one. And so here is all the fabric. There's the zippers, and I think this is the foam, which will go inside, and then at the end it becomes a bag. So in fact, yeah, all the bags are produced here. Yeah. Okay. Yeah. Okay. And when it's produced here, it has a little flag. So last year, one time we produced a Chubby for a Belgium customer who wanted to have the Chubby in red and black, like the Trekking, and that's possible. So, but then it's a little bit more expensive, because of course, when you make only one,
It's special. It's special. Yeah. Yeah. For Brompton, you made also the bag. Some bags. Yeah, yeah. I can show you upstairs. Okay. Yeah, yeah. They are designed here, but then we produce them in Vietnam. People don't know we're that small. Many times I get customers on the phone and they say, okay, I want to ship something back, for example. If they ordered something too much or they didn't fit their bike. And then they are, okay, to whom should I address it? I said, no problem. I said, when it enters here, one of us will open it and we know for what it's for. And that's funny. There's a Dutch guy in Amersfoort. He is making Bromptons, but special ones. Mm. Vincent van Eert is his name. His company is called Eerdermetaal. He designed it, he wanted the bag with, this is the wax cotton. We bought it in England. There is Harley Stevenson. And he made the design together with Hubert. Mm. And so it has this separate pockets. So you can take the pockets off and on. Nice. And it has the option to, when it's closed, then you can carry it also as a backpack. My God, it's wonderful. Yes. Also very nice. This was new this year. We had a woman also in the south of the Netherlands who has parrots. She loves parrots and she loves to walk with parrots. It's a special community and they do free flight with the birds. So she wanted to have a backpack where the bird could land on. No. And this, they only land on special wood. So this is a special kind of, if I remember right, Java tree. So we developed the bag and we produce it here. So so nice. Yeah. This one you know. Yeah. This is the nice chubby. This is with the backpack. We have this backpack which fits perfectly in, and you can put your chubby also inside to carry it. Question, it's just you who manufactures the bag for Brompton, or there are for this kind of bag, or there are others as well, manufacture this bag? No, this one is only produced by us. They have a wider line of bags, and because, for instance, the technique we are not applying is the welding technique, so you have the welded bags. We are not doing it, maybe in future. So they have a different source for this, for these bags. But the old traditional line, which comes out of the S bag, the T bag, and so on, it all comes from here, just like the basket. Huh? I think this is the most sold version. This is the basket. Yeah. The simple one, which closes when you lift it. All right. Yeah. So thank you so much. Thank you. And all the best for the company. Yeah. Bye bye. On a pris le petit café, on a jasé de comment ils avaient. En fait, eux, ils ont acheté la compagnie juste un peu avant le Covid. C'est cool de voir la compagnie dans laquelle tu as acheté ton produit, de jaser avec la petite équipe. C'est trop bien, quoi. Maintenant, direction prendre le train dans 28 km. Mais avant, on passe la frontière avec l'Allemagne.